Et on se retrouve encore une fois au bord du Tarn pour tester le Vreit avec son nouveau moteur Fusion 1800 en 2S. Nous sommes avec son nouveau cerveau 35 kg Injora. On va voir si ça marche beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison. Déjà, il y a du frein, encore mieux qu'avant. Ça braque sans peiner, encore mieux qu'avant. Il ne faut pas grand chose pour que ce soit mieux de toute façon. Et là, voilà l'accroche. On est quand même en dehors à 45 degrés. Et il bouge pas. Un petit croisement de pont extra large. Et il descend tout seul, il se pose sans problème. Comme par enchantement. Sur la roche humide, on va voir ce que ça donne. Ouais, le petit coup de gaz qui va bien. Et il devrait monter sans problème. On va essayer de se caler. Moi je dis qu'il peut y arriver. Trop forcé quand même. Petit de verre qui va bien. On descend sur un petit filet de gaz et on se pose. Lui coule crème. Avec les petits watts qui vont bien, si besoin. À tester en 3S ce que ça donne. Mais déjà en 2S, il a la patate. Il est parfait.
alors intérêt de freiner. Parce qu'il y a le turn juste au bout. Et il vaut mieux pas y aller. Sinon, méga plouf de plus d'un mètre. Je sais pas nager, surtout sous l'eau. Et quand on y voit, bah, encore moins. Là on s'attaque quand même à pas mal de lourds, ça m'étonnerait que ça marche. On va limiter la casse. Mais il pourrait le faire. Est-ce qu'on le tente vraiment? Au risque d'aller dans l'eau. S'il avait de l'élan, il pourrait le faire. On pourrait vraiment le faire, hein. Peut-être qu'en 3S ça marcherait bien. Putain, même en 2S ça marche. C'est un monstre ce vrai. Voilà, petit test des demoiselles Wright. Parfaitement validé.